Bonjour Madame Chamblay. Bonjour. On va vous poser plusieurs questions en rapport avec votre profession. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi cette profession? En fait, c'était un rêve de petite fille. Donc, après avoir bifurqué un peu en histoire-géographie, je suis revenue à mes premiers amours professionnels. Donc, quand vous étiez petite, vous vouliez déjà exercer cette profession? Oui, j'ai eu un bref temps où je voulais être secrétaire, mais j'ai renoncé très vite. Depuis quand aimez-vous les livres? Depuis que je sais lire. Quel est votre livre préféré? J'aime bien les livres d'Agatha Christie. Et pourquoi ces livres en particulier? Parce que je suis une fanatique de romans policiers et que bon, Agatha Christie, c'est quand même le mieux. Avez-vous exercé un autre métier auparavant? J'ai été pendant de longues années professeur d'histoire-géographie. Depuis quand faites-vous ce métier? Je suis professeur documentaliste depuis 2005. Pourquoi aimez-vous autant les livres? Parce que ça permet de s'évader du monde quotidien et de faire des voyages où on n'irait jamais. Quel est le diplôme requis pour être documentaliste? Comme tout professeur de discipline, il faut un CAPES. Que lisez-vous en ce moment? En ce moment, c'est La nuit des temps de Barjavel. Que faites-vous de vos journées au CDI? Donc, je cours dans tous les sens, c'est le propre d'un professeur documentaliste, et je partage mon temps entre activités pédagogiques et gestion du CDI, donc 90 avec les élèves et 10 avec les livres. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.